dit, je fais partie du président de Berry Rider. Cela fait bientôt 9 ans que nous existons. On participe à beaucoup de choses. Résilience en France, que ce soit le Téléthon, que ce soit les Virades de l'Espoir, la Route des Jouets, qui a été organisée par les Hobots dans le 36. Nous ferons bientôt pour le Yeti, la fille Laetitia, qui meurt à Quincy et qui a besoin d'une voiture pour son handicap. Donc on est en train d'organiser quelque chose pour elle. Nous organisons le 2 juin 2018 un jambon à la broche sur toute la journée au profit d'une association qui s'appelle Résilience en France. Nous avons un repas le midi à 15 € le repas. L'après-midi, nous faisons une balade. Et puis le soir, nous refaisons un jambon à la broche avec un orchestre The Broken Feet qui viennent animer la soirée. Voilà, et tout ça donc au bénéfice de Résilience. Alors Résilience est une association qui œuvre pour l'enfance maltraitée et qui permet à tous ces enfants qui sont agressés verbalement, physiquement et autres dans toute leur vie du quotidien d'avoir un soutien, d'être accompagné par un groupe de personnes qui œuvrent au quotidien pour eux. Voilà. Et donc nous souhaitons, à la fin de cette journée, leur remettre un chèque pour continuer d'avancer. Rock'n'roll avec assisté d'un groupe dans l'après-midi pour les gens qui sont présents. On organise un petit run, donc un run c'est une balade qu'on va faire accompagnée, c'est à peu près sur 130-140 km à allure réduite pour faire découvrir des endroits un peu sympathiques aux gens qui, pour ceux qui connaissent pas la région et pour ceux qui n'auraient pas eu l'idée de passer par des petites routes qui sont malgré tout peu fréquentées. Donc, bonjour, moi c'est Vanessa, je suis fondatrice du club, je l'ai créé à l'origine pour faire une grande famille, pour avoir des amis et profiter de la vie et des motos. Et au fur et à mesure en fait on s'est développé et on a travaillé pour des actions pour autrui. Et on a commencé par nos actions avec le Téléthon à Bourges. Bonjour, je m'appelle Mario. Oui, voilà, j'ai adhéré ce club et le monde de la moto que ils m'ont accepté avec plaisir. Je suis Saint-Germain. Ah oui, d'accord. Bonjour, photographe. Je vous dis d'abord, le biker, c'est d'abord une grande famille. Et puis, c'est l'entraide. Les associations, c'est les bikers qui donnent le plus. Mais les bikers, quand ils disent quelque chose, ils le font.